L'histoire a éclaté au grand jour il y a une semaine. Elle a mis un peu de temps avant de décoller, mais là, elle suscite le débat et la réflexion. De quoi on parle? On parle de la décision de la ministre Caroline Proulx d'annuler un événement organisé par un groupe pro-vie, donc anti-avortement, à la fin du mois au Centre des congrès de Québec. Mme Proulx a invoqué les valeurs québécoises pro-choix, donc pro-avortement, et le fait que l'événement se tenait dans une société d'État pour ordonner son annulation. C'était dans une société d'État qui relève du gouvernement, on a des valeurs. On demande donc l'annulation de cet événement. La décision a été applaudie à l'unanimité, c'est rare à l'Assemblée nationale, mais là, ça a mariné un peu. Des chroniqueurs se sont demandé s'il ne s'agit pas d'une atteinte à la liberté d'expression, ce qui soulève la question suivante. Quels sont les critères du gouvernement pour juger si un événement contrevient ou non aux valeurs québécoises? Alors, hier, la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, Madame Biron, s'est fait poser la question. On va écouter sa réponse et garder un œil sur son attaché de presse à droite de l'écran, parce qu'à la toute fin, elle intervient pour mettre fin à la conversation. On écoute. Il n'y a pas des risques de dérive avec cette posture arbitraire-là? Expliquez-moi votre question. Bien, vous dites qu'il n'y a pas de critères, donc c'est une posture qui est arbitraire. Vous la qualifiez. Oui. Mais c'est une posture qui est arbitraire, vu que vous dites qu'il n'y a pas de critères, on a juste décidé ça comme ça. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Je pense que c'est une décision qui a été prise à la lumière des valeurs de notre gouvernement. C'est quoi les critères? Et puis les partis d'opposition. Mais donc, selon vous, Mme Biron... Avez-vous vu l'attaché de presse, le petit... La petite tape sur les fameuses tapes sur le dos. Oui. Voilà, pour dire OK, on s'en va, on sort. Puis elle finit la réponse en passant. C'est standard, ça. Bon. OK. Alors, au-delà de cette image, sur le contenu, là, Dimitri, l'idée que le gouvernement demande à une société d'État d'annuler un événement organisé par un groupe pro-vie, donc anti-avortement. Oui. Est-ce que c'est une entrave? Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Bien, dorénavant, les catholiques, les grecs orthodoxes, les musulmans, les juifs, tout groupe religieux ne pourra pas se rendre au Centre des congrès du Québec. Si on applique la même théorie, le Bloc québécois ne pourra plus se réunir dans un centre des congrès à Ottawa, parce qu'eux, ils ont la mission de faire l'indépendance du Québec. Écoutez, je suis tellement surpris, mais tellement surpris que cette décision arrive d'un gouvernement caquiste qui combat la culture de l'annulation, qui dit que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un woke. Imaginez demain matin si, par exemple, cas par cas, quelqu'un veut faire un congrès, un rassemblement contre la loi 96, contre la loi 21. Et qui décide? Mais attendez, Dimitri, tout le monde a le droit de manifester dans les rues. Ce que le gouvernement dit, c'est vous ne tiendrez pas votre événement dans nos murs, mais vous pouvez le tenir n'importe où ailleurs, dans un organisme privé, là, par exemple. Mais premièrement, les murs sont les murs qui appartiennent aux contribuables québécois. Et il y a des Québécois qui sont pro-vie, il y a des Québécois qui sont pro-choix, il y a des religions, des Québécois qui sont religieux, il y a des Québécois qui sont athées. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment aller trop loin. Et je dois saluer Michel Séauger, qui était le premier chroniqueur à écrire là-dessus, parce que la tendance qui partait, c'est tout le monde applaudissait, parce que c'est la nouvelle façon de faire. Tout le monde disait, ben c'est normal, les valeurs du Québec. Mais c'est qui décide qu'à l'unanimité, 8 millions de Québécois ont exactement la même opinion? Michel Soupy. Et c'est quoi le cas par cas? Okay. C'est qui décide ce cas par cas? Michel. Mais c'est aussi... il faut distinguer être pro-choix ou le débat sur l'avortement. Puis je pense qu'il faut reconnaître que ça a été une lutte de très longue haleine pour laquelle il y a encore des fragilités, pour laquelle on peut encore se permettre de s'inquiéter si ce droit-là à l'avortement est encore bien protégé. Ça, c'est une chose. Ce dont il est question ici, c'est un gouvernement qui décide, soi-disant pour protéger les valeurs québécoises, qu'un événement n'aura pas lieu. Là, on s'attaque directement à la Charte des droits et libertés, à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté de conscience et aussi à la liberté de se réunir. Et le gouvernement, à ce moment-là, va devoir nous dire quels sont les événements permis puis lesquels sont les événements ne sont pas permis. Mais moi, ce que ça... Et quelles valeurs sont permises? Et absolument. Et ce que ça dit aussi, c'est que dans nos murs,
pas le droit à la dissidence. Si vous ne pensez pas comme le gouvernement, bien, on regrette, on vous permet pas de venir exprimer ça. Et Dimitri a raison. Le même Centre des congrès a reçu un événement, pas longtemps avant, je crois, de l'évêché de Québec. Bon, l'évêché de Québec, c'est la religion catholique. La religion catholique est contre l'avortement. Pourquoi c'est permis pour l'évêché de Québec, puis pas permis pour cet organisme qui nous vient d'ailleurs, soit dit en passant? Alors, c'est là où on banalise et on écarte du revers de la main cette Charte des droits et libertés. Si c'est le cas, qu'on nous le dise clairement, qu'on nous dise clairement dans quelles circonstances, pour quel événement. Et quand on nous dit on va décider sur du cas par cas, oui, mais sur quels critères? Là, ça devient complètement de l'arbitraire. Et honnêtement, dans une démocratie et une saine démocratie, il faut qu'on soit capable d'avoir des opinions divergentes. Ça ne veut pas dire que tout à coup, cette protection de l'avortement ne sera pas préservée. Parce que s'il y avait lieu... et ce matin, je partageais les ondes avec Émilie Nicolas, qui avait complètement raison. Si, par exemple, l'événement se tient, bien, il y aura probablement des manifestations pour dire « Hey, non, 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 on n'est pas d'accord. Le, » les mouvements pro-choix vont aussi manifester. Mm-hmm. Laissons la société délibérer entre elles. Plutôt que le gouvernement qui, de son autorité, vient nous imposer de dire, ben non, ça, cet événement-là, oui, cet événement-là, non. C'est extrêmement inquiétant et préoccupant pour la suite des choses. Jean-François. Ben moi, j'ai réagi dans la demi-heure lorsqu'on a eu cette information-là. Et d'ailleurs, je l'ai appris sur mon fil Twitter parce que Ruba Gazal se félicitait, donc, de Québec solidaire de cette décision-là. Et pour moi, qui suis pro-droit à l'avortement, je considère que c'est une décision dangereuse et absurde. Parce que la liberté d'expression, la liberté de réunion, je vais vous lire l'article de la Charte québécoise des droits. Il dit « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. » C'est écrit nulle part, sauf si la ministre du Tourisme n'est pas d'accord. Sauf si c'est dans un édifice gouvernemental québécois, évidemment que ce n'est pas écrit. Et des critères, je trouve ça... Je comprends, disons, la première réaction de gens qui sont très attachés au droit à l'avortement, c'est de dire, ben là, ils ne vont pas venir critiquer ça dans notre palais des congrès. OK. Alors, prends une tisane et pense aux droits fondamentaux, puis là, dit, bon, ben, je suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la liberté d'expression. Voilà. La liberté d'expression, on la défend pas quand c'est facile, on la défend quand c'est difficile. Puis des critères, il y en a, ça existe. Tu as le droit d'exprimer ce que tu veux dans une réunion pacifique si tu ne fais pas d'appel à la haine et d'appel à la violence. On n'a pas besoin de critères supplémentaires. On n'a pas besoin que le gouvernement québécois réunisse un conseil général de la CAQ pour en discuter. Ces critères-là, ils existent. Et si l'association va en cours, ce qui va sûrement faire, parce qu'il avait donné un délai là, jusqu'à aujourd'hui au gouvernement de rétablir leur réservation, ben, ça va prendre 15 minutes au premier juge venu qui sait lire les chartes pour dire qu'ils avaient le droit d'aller là et que le gouvernement est en tort. Alors donc, le gouvernement se magasine un échec devant les tribunaux, mais c'est attendez, sûr. Attendez, est-ce qu'un centre de foire peut pas, ou un centre des congrès peut pas refuser certains clients? Ben, je pense pas qu'ils peuvent refuser des clients, sauf si le centre peut démontrer qu'il y aura un appel à la haine ou un appel à la violence. Oui. Alors, c'est la même chose. Hein? On a eu le cas aux États-Unis de pâtissiers qui voulaient pas vendre des gâteaux pour des mariages gays. Hein? Je disais non. Tu peux pas discriminer dans tes clients en fonction de quoi que ce soit. Et tes clients ont la liberté d'expression. Et toi, ta raison d'être, c'est de permettre la liberté de réunion contre rémunération. C'est ta raison d'être. Alors, pour moi, je suis content de voir que le Parti québécois, qui avait d'abord, dans un premier temps, appuyé vendredi, il a réfléchi, puis maintenant dit, ben non, ça se peut pas. C'est le fardeau de la preuve est sur le gouvernement de nous dire quels sont les critères. Mais moi, je vais plus loin que ça. Puis je dis, bien, il y en a la même chose. Exact. Arrêtons de trouver une justification. Vous avez présentement en onde une libérale, un péquiste et un conservateur
qui disent, qui sont pro-choix en passant, tous les trois, et qui disent « Quelle stupide décision! » OK. Unanimité sur le panel, ici. Ah oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Avec force. Oui, oui. Et moi, le petit pas que je vais faire de plus, puis le soir du 3 octobre, quand j'ai vu les résultats d'élection, je me suis dit, c'est vers ça qu'on se dirige, c'est-à-dire un gouvernement majoritairement très fort qui va avoir une très forte tendance à vouloir tout contrôler. Et ça, ça aussi, ça va tout à fait à l'encontre d'une démocratie. Et oui, je salue le fait que et Québec solidaire et Parti québécois reviennent un peu sur leur position, mais ça démontre à quel point, dans une circonstance électorale comme celle-là, faut avoir des oppositions très fortes. Malheureusement, pas tout à fait le cas. Pas tout à fait le cas au moment où on se parle. Tout le monde a réagi rapidement. Ils ont réagi émotivement, rapidement, parce que le débat sur l'avortement est un débat émotif. Et la lutte a été pénible, la lutte a été ardue. Je comprends ça. Mais on ne peut pas se dissocier et se distancer de cette façon aussi abrupte d'une charte des droits et libertés qui devrait être notre fierté aussi. Alors, je dis, et le rôle de l'opposition, bien, c'est d'être le chien de garde et c'est d'être capable de réagir fortement à ce genre de situation. D'accord. Sébastien, je ne serais pas surpris si demain matin, pendant la période de questions, Gabriel Nadeau-Dubois va accuser François Legault d'être un « woke ». Ah oui, il pourrait lui renvoyer le qualificatif. OK. Ouais, Jean-François? Oui. Alors, mon information, c'est que cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la CAQ. Voilà. Et qu'il y a une personne qui est très attachée à la liberté d'expression qui a exprimé sa dissidence, c'est Youri Chassin. Ah oui? Alors, vous pourrez peut-être essayer de l'interviewer dans les corridors. Ça va être intéressant. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.